Voilà, cliquez. Très bien. Alors Toundra, elle a besoin un petit peu aussi d'avoir un pas un peu plus soutenu, parce que sinon elle se traîne et c'est dur. Tandis que si on remotive un petit peu, elle est bien là. Ouais, doucement, motivée sans exciter. Oui, reprenez dans l'autre sens parce qu'il y avait un autre chien qu'elle n'a pas vu. Oui, il y a un coin qui l'intéresse. Très bien ça. Allez rechercher des gâteaux. Et ce que vous allez faire là après, c'est je recule, je me place sur le côté, je fais un pas avec mon chien à côté, je clique, je donne. Je fais un pas une fois qu'elle est à côté. Voilà, un pas au pied en fait. La même chose avec un pas en plus. C'est ça. Et puis après on en fera deux, puis trois, puis quatre, puis... Youps. Voilà, essayez de cliquer vraiment quand elle est à côté et qu'elle est bien avec vous. Essayez de faire un peu plus de pas avec elle à côté. Très bien. Essayez de garder la main à gâteau dans le dos. Oups. Oui, très bien ça. Très bien. On va en refaire un dernier parce que c'est fatigant quand même pour elle. Puis même pour vous, marcher en marche arrière, c'est pas l'idéal. Donc on va essayer, vous allez marcher en arrière jusqu'au camion, vous allez vous mettre sur son côté, vous allez marcher en marche à côté entre 5 et 7 pas. Si vous sentez que vous la perdez avant, vous récompensez, vous cliquez avant de la perdre. Hein. C'est bien ça. On lui fait un gros câlin. On lui fait un gros câlin. On demande un assis. Oh super. Et le gros câlin.